Durant les vacances scolaires, Mascarin, jardin botanique de La Réunion, propose divers ateliers et animations pour les enfants. Nous grimpons demain un atelier ludique sur le thème des légumineuses. L'atelier, là, c'était donc une chasse au trésor. Donc, c'est une découverte ludique du jardin botanique. Et l'objectif, c'était de découvrir en fait toute la magie des légumineuses et surtout de comprendre en fait que cette famille végétale regroupe toutes les plantes qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles possèdent un fruit en forme de gousse. Voilà, donc la finalité du jeu, c'est de découvrir ce point commun-là. Et ça permet de transmettre quelques notions en fait de biologie végétale tout en s'amusant. L'année 2016 a été déclarée année internationale des légumineuses par les Nations Unies. Une vingtaine d'enfants du service social de la mairie de Sainte-Suzanne ont pu découvrir les spécificités de ces espèces très peu connues. Et on a fait de la chasse au trésor, on a fallait trouver des plantes. Ben, elle n'est pas facile, elle est grande et on a des plantes qui ne rentrent pas à tout, en tout cas à nous. Ben, chouette. T'es amusant. Un peu. Ben, on a cherché la famille des légumineuses. Ils ont tous des gousses. Et ben, c'est chouette, les grands seulement, ils fatiguent pour aller chercher et tout. Ben, ce matin, on a fait une chasse au trésor sur la découverte des plantes. Pois du sabre. On a découvert des plantes qu'on ne connaît pas. C'est impressionnant quand même de voir, comme il nous a dit, il y a des graines qui peuvent être vraiment grandes et grosses et tout. Et nous, ben, on a, quand on nous dit une graine, ben, on a l'image d'une petite graine, que c'est petit et tout. Oh, que ben là, en fait, c'est beaucoup de choses cachées en fait. Et du coup, voilà, ça aide à avoir une autre image, enfin, de découvrir plus. Chaque enfant est reparti avec une plantation de légumineuses en guise de souvenirs.